La thalasso là, non. Ce qu'on appelle la solane, c'est parce que c'est toujours au soleil. Donc là, on est dans la Soulane, sur les contreforts du Canigou ce matin, à la recherche des isards. Hier, on a fait une battue. J'ai eu la chance de prélever un sanglier. Grâce à mon... J'étais en face. Vous allez voir ? J'étais en face. Ouais. Hier, j'ai tué mon sanglier là-bas. 1h30 de marche pour monter au poste et la même pour redescendre mon sanglier. 55 kilos quand même. Hein. Jusqu'en bas. Petit village qu'on voit là-bas. Là où tu peux en voir des villages, ouais, en face. C'est là-bas. Ça, c'est le communal, ça. Hein? C'est sur le communal, ça. Ça, c'est le communal. Là, on va faire cette zone. Très escarpé, beaucoup de rochers, les isards sont là. Donc on va y aller. Là, ça a l'air pas mal. Ah, le village, tu peux filmer le village, moi. Je vais filmer. Ça va, Manu? Il y a la neige en face. On commence à avoir une superbe vue là. Alors les Pyrénées, c'est pas très haut, enfin en tout cas le Canigou, mais ça grimpe tout de suite fort. Donc ça se mérite quand même. Ça se mérite. Aura chaud. On a vu les premiers tout à l'heure là-bas. On va contourner ce piton là. Par là. On va monter là. Du sommet, il y a des parois rocheuses. Il y a une plateforme là au-dessus des arbres. On va se mettre. Les chamois sont dessous là, dans les barres. Manu commence à souffrir. Heureusement, il fait beau. À la pierre plate. On va se mettre en poste juste en contrebas. Il y a Manu qui va passer dessous. On va les faire bouger. Change de poste là.
aller voir d'ici. C'est que des aiguilles de rochers. C'est loin d'être évident. On espérait les voir passer là, mais on va changer de coin. Voilà, je vais à l'Isard. Mal apparemment. Il était couché juste en face de nous. On est resté pendant au moins une demi-heure dans le vent glacial à chercher les isards et on avait celui-là en face. On l'avait pas vu. Alors, il est pas trop gros pour que je le tire. Observe depuis. Et il fait très froid. Il fait très très froid, le vent glacial. Voilà. Ah. Enlève la sécurité. Il est bon celui-là, il est bon. J'y vois rien, je sais pas où je suis. Putain, je sais pas du tout. Voilà, c'est... Là, c'est cuit. Prends ton temps, appuie doucement sur la gâchette. Allez, tu vas achever ton. Tu vas achever ton éterlou. Derrière le cœur. L'épaule. Il est là, éterlou. Il est blessé mortellement. Edouard va l'achever. Il a tiré à 164 mètres avec la 764. Balle un peu arrière apparemment. C'est pas fait encore. Il va l'achever.